Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2 modé. Enfin pour moi, parce que je pouvais plus modder le jeu. Il y a une mise à jour, donc forcément, faut downgrade son jeu, etc. Je l'avais fait au préalable avant la mise à jour, mais je sais pas pourquoi. Après, je pouvais plus. Il y a dû avoir un truc avec Steam. Du coup, j'ai downgrade mon jeu enfin et on peut retester des mods. Aujourd'hui, on va se focaliser sur des mods concernant Goku Ultra Instinct, mais avec des textures comme dans l'animé. Alors je dis des Goku parce que on va en tester 3, créés par le même modeur. À la base je voulais tester que lui, on l'avait déjà testé en live mais il est tellement ouf que je voulais vous le montrer aussi en vidéo. Mais on a aussi un Goku de l'arc Moro en ultra instinct maîtrisé, il est sublime, vraiment. Vous allez voir les textures comme ça, il faut que ce soit comme ça dans Xenoverse 3, c'est n'importe quoi. Et on a aussi un Goku ultra instinct maîtrisé du tournoi du pouvoir, même au niveau des ombres, c'est très bizarrement fait. La façon dont il a géré ça, mais tu reconnais que bah, ça fait beaucoup plus manga, hein, évidemment, hein, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut retrouver dans le manga, et peut-être là un petit peu plus dans l'animé au niveau du tournoi du pouvoir. C'est vraiment très stylé ce qu'il a fait. Évidemment, on va commencer par ce Goku Ultra Instinct. Je vois que celui-là, elle est même technique. Peut-être qu'on switchera juste pour voir comment ça rend. Et lui, il a l'air d'avoir des trucs nouveaux, il a peut-être d'autres movesets, donc on le gardera après, évidemment on testera tout. Je sais pas si la vidéo va être longue, mais bon. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On est plus de 15 000 sur la chaîne maintenant, c'est n'importe quoi. Jamais je pensais que j'aurais atteint ça juste avec des vidéos où je teste des mods comme ça. Mais je vois que vous êtes au rendez-vous, donc merci énormément. Et si vous kiffez, mettez le petit pouce bleu. On va tester des Goku Ultra Instinct, j'espère que la petite intro vous aura plu. On est parti, let's go. Ah, ça m'avait manqué de ouf de tester des mods. En vrai, même en vidéo, je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti, genre peut-être une ou deux semaines. Ça commence à faire un petit bout. Et ça fait longtemps et ça m'avait manqué. En vrai, ça m'avait manqué. C'est trop stylé. Il est trop stylé. Il a pas de charge, c'est vrai qu'il a pas de charge. J'ai toujours pas compris ce que c'était que ça. Ah si, je crois savoir. Si je dis pas de conneries, voilà, on fait les Kamehameha au pif. Ok, c'est un Kamehameha divin, donc si elle fait un rayon qui quoi, l'adversaire, ou Kefla en l'occurrence là, on va pouvoir slider dessus, bon c'est attaque classique, hein, vous connaissez. Donc si je fais, non ça c'est le contre, si je fais ça, ouais ça charge 2 de ki très rapidement, et ça a l'air de me buffer aussi, hein. J'ai l'air d'avoir un boost d'attaque, au moins plus de questions sur cette technique, c'est une charge, elle est extrêmement stylée. En fait l'intérêt de ces modes là, c'est que en mode photo, c'est un délire comment ça passe extrêmement, oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Avec l'aura. Non mais, même juste comme ça. Hein. Juste comme ça. La tête. Non mais regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'il me regarde. Il faut que Xenoverse 3 soit comme ça. Hein. Et là, c'est un fan qui a fait ça, évidemment. Les liens sont en description d'ailleurs, hein, si vous voulez avoir les persos. C'est un fan qui a fait ça. Donc évidemment, vous voyez, des fois, il y a des petits problèmes de texture, etc. Mais franchement, imaginez si c'est officiel. Enfin, ça serait tellement incroyable. Allez, on va tester. Je crois que le moveset pour ce Goku-là est classique. Je crois que c'est celui de l'Ultra Instinct Signe. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. On va tester la chop, mais... Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est bien cette attaque-là. Si tu viens m'attaquer, c'est quoi ce petit contre-là? Ouah, direct! Ah ouais! Eh ben, on va pouvoir tester les évasions, du coup. Oh, j'ai 3 évasions. j'ai 3 évasions, ça n'a aucun sens. Oh, non mais elles sont stylées en plus, hein. Viens là, il faut que je fasse le counter, Kefla. Ah, j'y arrive pas. Olé, esquive. Oh là 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 là. Kefla qui rigole zéro. Encore. Ah ouais, je peux contrer son rayon avec l'évasion. C'est bien, du coup, on voit les évasions. Enfin. Ok, bon, bah c'est le contre classique, mais... Enfin, quand même, dans le jeu de base... Mais avec des petits plans de caméra en plus, donc c'est sympa. Ensuite, on a le divin Kamehameha, on connaît. On connaît, c'est classique. Le Spirit Pulse, donc en fait, quand il y a deux attaques, faut juste envoyer le joystick vers l'avant et ça fait la deuxième attaque. Aussi simple que ça. Celestial Whirlwind, on connaît. Ah, fouette. Devant le perso. Oh là 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 là. Ah ouais, puis là. Non mais... Oh. Je suis le seul à trouver ça extrêmement beau. Oh là là, il a un flow de zinzin. Et il y a des ultis, hein. Le pire, c'est qu'il y a les ultis. Non mais faites vos screens, hein. Faites-vous plaisir, hein. Je sais même pas comment je vais faire la miniature, tellement il y a de plans qui sont incroyables.
c'est un délire. Vraiment. Rien que juste au niveau du skin du personnage, c'est un délire. Oh là 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 là, je peux pas aller plus haut, mais... Oh là là, non mais vraiment. Trop classe. J'ai pas les mots. C'est... En plus, je sais même pas si c'est dur à faire ce genre de texture, honnêtement. Mais ça passe trop bien. Ça passe trop bien. Imaginez des maps avec les textures de l'anime aussi. Ça se trouve, dans Budokai Tenkaichi 4, on aura un truc comme ça. Hein. Et ça sera incroyable. Ça sera incroyable. Bon, évidemment, un petit peu mieux fait parce que c'est pas officiel, hein, mais rien que déjà, là, comme ça, j'achète, moi. Tous les jours, j'achète. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais... Ulti, le classico, celui-là, on le connaît. Ensuite, on a Autonomous Assault. Donc ça, je crois que c'est ce qu'il fait à Kefla, d'ailleurs. On va pouvoir voir ça. Oh là 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 là. Un délire. C'est trop stylé. Aïe 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 aïe. C'est fluide et tout, ça passe nickel. Je vais faire des petits plans dessus. Ce jeu. Oh là. Il est trop classe. Trop rapide pour toi, Kefla. Là, on la voit bien la différence de texture. Hein. Bon, déjà, il y a un reshade et tout sur les persos de base, mais alors là... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sliding Kamehameha. Donc ça, c'est ce que j'ai montré dans l'intro. Il est trop beau. Trop stylé. Boum. Ça passe tellement, et après, à la fin, il est essoufflé. C'est trop fait. C'est un délire. Ensuite, Silver Super Dragon Assault, c'était ça? Ok. Donc ça, il le fait en Ultra Instinct Maîtrisé, donc... Je vous propose... Bah, qu'on aille tester l'Ultra Instinct Maîtrisé, parce que je crois qu'ils ont les mêmes techniques, donc... Autant aller voir avec la version maîtrisée. Ok, on est avec l'Ultra Instinct Maîtrisé. Au niveau des... techniques... Ouais, même les... Enfin, même les, le moveset, c'est celui de l'Ultra Instinct Signe. Donc en fait, il a pas changé... C'est juste le skin qui change. Parce que si je fais ça, ouais, c'est exactement la même chose. Ce qui est stylé en soi, hein, je dis pas non. Je préfère avoir le même moveset mais des attaques modées que avoir juste l'Ultra Instinct maîtrisé basique. Oh là 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 là. Ouais, du coup là ça va extrêmement bien passer. Il est trop beau lui aussi. Hein. Du coup j'ai changé de map, j'ai changé d'adversaire. Full RP. Full RP dans ce test. C'est n'importe quoi. Du coup, reprenons où on en était. Ah, oh, c'est tellement stylé. Le Celestial Whirlwind aussi va être incroyable. Ah ouais. Ça passe extrêmement bien. Ouais, il est à l'autre bout de la map. Il est à l'autre bout. Reviens. Alors, montre-nous vite fait. Ah ouais, là, ça va bien passer, là. Bah ouais. Évidemment. C'est son attaque, hein, donc... Full RP, c'est trop stylé. Mais on en a d'autres. On en a d'autres. On a Super Dragon Flash. Je crois que je me suis trompé d'attaque. Donc je disais, le Super Dragon Flash... Oh. Ah ouais, ah ouais. Non, là il y a un truc. Là par contre... Ah ouais. C'est un délire. C'est trop beau, c'est juste trop beau. Je veux que Xenoverse 3 comme ça... Il le trash talk en plus, il le trash talk. Il y a trop de trucs incroyables là par contre. Hein. Déjà il y a ça, l'explosion est incroyable. Le coup de poing. La tête est un peu bizarre. Et là, oh là 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 là. Mais il est trop beau. C'est un délire. Et là avec sa pose de victoire... En mode, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que t'as dans le ventre? Oh là là, il est trop beau. C'est trop bien fait. J'ai pas les mots. Le moveset, le moveset est basique. Mais il y a quand même des techniques modées, ce qui, en soi, est du coup très très cool, juste pour le jouer. Mais en plus, les textures sont trop belles. Là, je veux deux notes, là. Je veux la qualité du skin, mais en plus des attaques. Le tout, ensemble, fait un truc incroyable dans tous les cas. Ouais, manquerait plus qu'il ait un moveset modé et puis ça n'aurait aucun sens. Que ça serait un des meilleurs personnages modés que j'ai jamais testé. Ouais, manquerait plus qu'une petite transformation. En vrai, je pense que c'est pas impossible de lier les deux skins pour en faire une transfo. Je pense clairement que c'est pas impossible. Hein. Ça serait incroyable. Honnêtement, ça serait incroyable.
j'ai pas les mots. On va aller tester vite fait le Goku Ultra Instinct de l'arc Moro. Et après, on va lui faire des petits combats, se faire plaisir. Mais ouais, c'est très 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 stylé. Ah, il a pas la même pose. Ok, sympa. Ce qui veut dire peut-être pas le même moveset. Ok, j'ai eu peur que Moro esquive, mais il esquive pas. Au niveau du moveset. Oh! Ah, mais c'est celui du Goku de base. Ah non. Non, il est très bizarre le moveset là. Tiens, un mélange de. De Modé et de Vanilla. Ouais, genre ça, c'est Vanilla. Très étrange. Il a pas d'aura aussi, c'est dommage. Pourquoi t'as pas d'aura, mon ref? Ah, dommage. Ah, le moveset est très 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 étrange, hein. Bizarre. En tout cas, il est trop beau. Il est trop beau. Je sais pas si c'est fait, ça se trouve c'est fait exprès qu'il est ultra instinct. Je me souviens plus trop de... Si sa forme est spéciale en ultra instinct maîtrisé comme ça dans l'arc Moro. Mais ok, on a le point de Dieu. C'est quoi ça? Alors... Ok, là j'ai le Kamehameha divin. Il a l'air un petit peu moins bien fait que les autres. Le super vol du dragon, ok. Super qui charge. Peut-être les ultis qui vont être mieux, ça c'est quoi? Ok, il a des attaques qui vraiment ne sont pas à Goku de base, donc pourquoi pas. On a le full power Kamehameha. Oh! Oh, c'est sympa, ok. Non mais ok, ok. Attaque modée. Esprit Saiyan, c'est l'attaque de Bardock. Et il en a une autre extrême explosion. Bah, c'est les super explosions de Ki, non? Ah, peut-être qu'elle marche pas. Ouais, peut-être qu'elle marche pas. Ok, eh bien, non, il a rien de spécial au final. Il a quelques attaques modées, mais sinon, ça reste assez classique. Donc voilà, au moins, on a vu le skin. Il est très stylé. Il fait très manga. C'est sympa. Ah, il est quand même bon. Non, mais pour moi, genre, Budokai Tenkaichi 4 ressemblera à ça. Un truc comme ça. Bon, là, il a pas les auras, hein, mais. Ça ressemblera clairement à un truc comme ça. Il est très très stylé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais malheureusement, tu n'es pas assez modé. On ne te testera pas en combat. A plus! Voilà. C'est comme ça qu'on termine les modes. Voilà. Allez, on passe au combat. Ça n'a aucun sens. Allez, on va pouvoir voir s'il est broken au niveau des dégâts. On commence avec Kale et Caulifla. Faudrait que j'affiche le... Les barres de vie, on a un timer, c'est pas grave, ça change pas grand chose. On va la réduire en miettes. Ouh, déjà niveau moussette, ça fait des bons dégâts. Boum. Ah non, mais pourquoi tu l'as pas suivi? Vas-y, viens. Ok, esquive, esquive. Niveau PV, c'est pas mal. Qui endurance aussi. Ok, on dit pas non, on dit pas non. Ah, j'arrive pas. J'essaye de counter, mais... Dégage. Ah, limit burst d'ailleurs, c'est quoi? Récup de santé et d'endurance. J'esquive d'ailleurs. J'ai pas... Ah oui, j'esquive quand même. Oh, j'esquive très bizarrement. Mais j'ai pas de l'esquive infinie, c'est le problème. Au secours! Je récupère beaucoup trop de vie. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas compris ce qu'elle a fait, mais... Oh, faut récupérer de l'endurance, Goku, un moment. Ok. On va pouvoir discuter maintenant. Eh oh. Bien. C'est très dur de faire le counter. Waouh! Dégagé! Ok. C'était quoi ce bruit? Elle a fait un bruit? Repousse-tout. J'essaye de caler mon counter. Voilà! Enfin, on va pouvoir discuter maintenant. Ou elle l'apparaît. Qu'est-ce que je peux tenter comme attaque? J'ai l'autonomous assaut, le sliding caméra. J'ai vraiment envie de voir, hein. Oh, direct comme ça! J'imagine là, elle peut pas counter. Ouais, elle est prise dans une. C'est une shop, mais qui marche partout. C'est tellement fort ce genre d'attaque. Je pense qu'elle est morte, hein. Ah oui. Ça a l'air de faire des bons petits dégâts. On va aller affronter Moro avec l'autre Goku, voir le potentiel de dégâts au niveau des ultis. Parce que vu qu'il a beaucoup de PV, on va pouvoir se faire un avis global. Let's go! Oh, cette entrée en scène toujours aussi stylée. C'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, on voit là, maintenant qu'on a les barres de vie, on voit que l'image du personnage, c'est le Goku signe et maîtrisé. Donc le modder a peut-être prévu de les rassembler en une transformation, et ça serait incroyable. Ça serait vraiment trop 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 stylé. Alors, dégage de là, il faut que je charge. Ça fait mal ça?
Ça va, ça fait les dégâts d'une spé classique. Ouais, ça me booste, hein. Ça me booste et je peux charger tellement vite le temps qu'il revienne. Alors, par exemple... Tiens, d'ailleurs, il y a un ulti qu'on n'a pas testé. C'était pas celui-là, mais comme ça, on va pouvoir voir les dégâts. C'est pas du tout celui que je voulais faire. Moi, ça va, ça me paraît honnête comme dégâts. Il est où? Il revient tellement de loin. Ok, c'est bien, on a la manifestation divine. J'ai pas du tout réussi à la caler, mais c'est pas grave. Allez, dégage. Ah, c'est tout? Ok, charge. Ah, ça se spamme tellement vite. Ah, puis quand je le fais, il peut pas me toucher. Oh, ouais, non, mais... C'est tranquille. Non. À mon tour. Oh là 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 là, ça va faire mal. Oh, il a failli une stamina break, je crois. Hein. Ou ça va faire mal. Oh, la tête qui fait. A plus. Ok, ça va. Une barre de vie. Ok. Deux barres de vie. Eh, deux barres de vie pour des persos Vania. C'est quasiment un kill. Hein. C'est quasiment un one shot de barres de vie. Hein. C'est très 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 fort. Hein. Voilà, attention. Hop là. Bah alors, on est stamina break. Tu vas pas kiffer, mon gars. Ça touche? Oh, ça touche! Oh là 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 là, cet enchaînement, il fait mal. Hein. Il fait très très mal. C'est l'avantage du stamina break. Est-ce qu'on a un autre limit burst du coup? C'est le même. Coucou Ultra Instinct. Non, je crois que c'est le même. Hein. Ouais, on avait pari tout à l'heure, il me semble. Attention, non! Aïe! Ah, oh, ça va. En plus, on a le limit burst qui nous régène un peu. Oh, il fait tellement mal, Moro. Allez, on s'arrête pas. Non, mais on se fait posture en vrai, on est plus dans le mal que lui. J'arrive même plus à parler. Allez. Ok. On peut tenter le counter. Ah, il veut jamais passer ce counter. Ok. Boum, il reste 30 secondes, vite. On a bientôt plus le temps. Je suis même pas sûr. Ah, je me suis trompé de touche. Je suis même pas sûr d'avoir le temps, 17 secondes. L'attaque est peut-être plus longue. Termine-le vite! On a bientôt plus le temps! Ok, c'est bon. Ah, ça va peut-être pas le tuer! Oh, ça le tue pas, non! Terrible! Dégage de là! Oh, il coulait. On va partir du principe que ça l'a tué. Oh là là, il est beau! Il est beau, lui non plus, il a pas d'aura au final, je crois. J'ai pas fait gaffe. Enfin, peut-être juste dans la pose de victoire. Trop stylé. On va aller affronter Black Freezer pour affronter peut-être un personnage cheaté, voir comment on s'en sort. Et je pense que ce sera pas mal pour la vidéo. Je pense que ce sera pas mal. Allez, cette fois, va pas falloir plaisanter contre ce personnage absolument pété qui est Black Freezer. Surtout que on a failli mourir juste avant contre Moro, donc ça commence bien. On est déjà mal parti. Bon, il a un peu moins de PV, donc si on arrive à plutôt bien gérer... Ah, j'ai moins d'endurance que lui, c'est terrible. Mais si on arrive à bien gérer, on peut se le faire. Ok, let's go. Oh, il était stylé. Oh, Gorgon Freezer, il était pas content, c'est trop classe. Il a fait une tête, c'était trop stylé. Viens pas là. Ah, il fuit, hein. Ne cherche pas à te transformer. Je te stamina break, de toute façon. Non, je vais lui quand même le laisser. S'il se transforme, je lui laisse... Oh, première fois que je lui vois faire cette attaque. Olé. Oh, la manifestation divine! Ah non, il a évasion! Ah, c'est terrible! On est en mauvaise posture, on est en mauvaise posture, on va se concentrer un peu. Oh, mais calme-toi! Non, je vais. Bon, j'allais dire, je vais pas limit burst, mais il est arrivé tellement vite. Il était en en train d'enchaîner ses coups. Non! Vite. Charge ton ki! Oh là là, il est tellement agressif. Je m'attends à ce qu'il attende un peu à chaque fois, mais il attend rien du tout. Il peut me détruire à tout moment là. À tout moment, il me détruit. Non! Non, mais je pensais qu'en esquivant, ça allait pas me toucher. Oh non! Je vois vraiment pas comment je peux l'esquiver cette connerie. Hein. C'est super dur, hein. On va retenter, hein. J'aimerais bien... Je suis sûr que je peux y arriver, en vrai. Ok. Ça, c'est très fort, hein.
Le contre qui n'en est pas un, c'est très très fort. Recharger, il a le... j'ai le temps. Ok, non, vaut mieux faire juste des retournées, hein, c'est... Merde, je suis con. Sliding Kamama, il est mort. Hein. Là, à tout moment, il est mort. Hein. Je vais juste attendre. Mais là, je crois que j'ai gagné, hein. Vous voyez, comme quoi, suffit juste de faire un bon combo avec ce perso et je peux détruire, je pense, la plupart des personnages du jeu. Ça va, oui Je te dérange pas trop. Faut se transformer, là. T'as déjà perdu. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Bah alors? Non, me touche pas. Il a pas envie de se transformer. Évidemment, il chope. Ah, là on discute. Voilà, sauf que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Oh, il m'a lancé une attaque, mais elle ne me touchera pas. Dégage. Non bah ça va, un partout je peux repartir digne, terminer cette vidéo tranquillement. Et voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter là les gars, ça ne veut rien dire. J'espère vraiment que ça vous aura plu, je suis trop content d'avoir pu retester des mods parce que qu'est-ce que je kiffe ça, découvrir des mods, des nouvelles attaques, des... Surtout, là c'est un truc qu'on avait quasiment jamais fait je crois, des personnages avec de nouvelles textures et ouais, je surkiffe, hein. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus de ce genre de mod. Ou dites-moi quel personnage vous voulez que je teste. Si vous avez vu des mods, venez me les envoyer sur Discord, le lien. Un téléchargement, n'importe quoi, une vidéo. Peut-être que j'arriverai à le retrouver. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bazous. Portez-vous bien. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Tout ce que vous voulez. Merci encore. Bye bye les gars.